Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tant attendue, vidéo des transformations physiques, de vos transformations physiques. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier parce qu'avec toutes les transformations que j'ai reçues, toutes les évolutions que j'ai reçues, je pense pouvoir faire 3 ou 4 épisodes. On verra si ça plaît ou pas. Et pour ceux qui veulent participer suite à cette vidéo, qui trouvent ça cool comme concept, c'est simple. Tu vas sur Instagram, tu m'envoies soit ton prénom, soit un surnom, peu importe, ton âge, ton poids, ta taille, des photos avant et après de préférence, ou alors juste après avec une petite description, de savoir comment tu t'entraînes, depuis combien de temps, est-ce que tu t'entraînes avec mes programmes ou est-ce que je t'entraînais tout seul, et ton objectif. Et là, on est bon. Et je sélectionne avec tout ce que j'ai, tranquillement. Aussi, très important de dire, je le dis souvent, mais c'est important, je ne suis pas coach sportif. Je ne compte pas être coach, je n'aspire pas être coach pour le moment, d'accord? Ça veut dire que tous les conseils que je vais dire, que je vais donner ou que je peux importer, relèvent de mon expérience. Ça fait 7 ans que je suis inscrit en salle de muscu et que je pousse, et un peu plus de 10 ans que je m'entraîne vraiment en sport, tout confondu, poids de corps et tout, ok? Donc voilà, ça relève vraiment de mon expérience personnelle. Bon, pour éviter que cette vidéo dure très longtemps, on va prendre 4 personnes, d'accord? Pour le premier épisode. Peut-être que pour les autres, on va en prendre plus, peut-être qu'on va en prendre moins. On verra, mais pour l'instant, 4 personnes. Première personne, on va tout simplement parler de Thibaut qui a 26 ans pour 1m70 et qui pèse 66 kg. Son objectif est d'atteindre les 68 kg. Bien avant ça, il faut savoir une chose. Le frérot avait 87 kg de base, d'accord? Il a fait un régime alimentaire. Je pense que ton régime, il était très strict, mon gars, parce que de 87 kg, t'es descendu à 64 kg. Alors ça, je tiens à dire respect. Déjà parce que c'est dur. C'est dur. Faire un régime alimentaire et perdre autant de poids, c'est pas facile, c'est compliqué. Parce que, bon, t'as montré une photo d'avant, je vais pas la montrer, mais on voit pas trop la masse grasse que t'avais comparée à maintenant. Mais je pense que à 87 kg, je pense que vraiment, je pense que tu étais un peu flotteux. Mais je suis fier de toi parce que tu as réussi à bien perdre. Et tu as aussi précisé que ton déclic était dû juste après une rupture. Alors, faut savoir une chose, c'est qu'après une rupture, c'est là où on est le plus à même à changer, à prendre de bonnes décisions, à se faire mal et à évoluer et à progresser. Et tu as fait le bon choix. Parce que certaines personnes, après une rupture, ils se laissent aller, ils se disent « vas-y, c'est pas grave ». Et d'autres personnes, après une rupture, certes, il y a une semaine, deux semaines, trois semaines où tu es dans le mal, clairement, où tu peux rien faire, clairement. Mais après, dès que tu te relèves pour changer, pour évoluer et pour aller loin. Toi, tu as choisi d'aller loin et je suis content. Bon, on va passer à l'analyse de ton physique pour ton objectif. Au niveau du physique, on a les 3 photos. Bon, ça fait un peu moins d'un an que tu t'entraînes. Là, on voit très bien les points forts, d'accord, qui sont dans les épaules, triceps, très très bien. Les pecs qui commencent vraiment à venir. Et ton dos, mon gars, qui est comme le mien, en point faible. Parce que je sais pas si tu entraînes beaucoup le dos, mais je pense que toi et moi, on a un peu le même problème, hein, qu'on a le dos qui sera bien défini en haut, mais pour bien le remplir complètement comme certaines personnes, ça va être compliqué, malheureusement. Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a plusieurs choses qui vont t'aider à pallier à ça. Ton objectif, comme tu as dit, c'est d'arriver à 68 kg. Tu as 66 kg, ça va arriver vite. Moi, je te conseille vraiment de monter, d'accord? Tu fais 1m70, d'accord? Arrive à 75 kg, là, tu seras bien. Tu seras vraiment bien, tu auras une base pour être assez sec et bien musclé. Parce que c'est simple, mon gars. Tu continues à pousser, tes 68 kg, il va arriver tout seul. Et même là, je ne sais même pas si tu es déjà arrivé à 68 kg ou pas, mais ton objectif va arriver tout seul. Monte encore un peu, gagne un peu de muscle, ça va venir. Bon, après, tu as un avantage qui peut être un inconvénient aussi, c'est ta taille. Tu fais 1m70. L'avantage, c'est que plus on est petit, plus on est balèze
vite, d'accord? Et quand on est petit, en général, on a des gros points forts, que ce soit épaules, biceps, triceps, soit, ben, moi, c'est pareil. Sauf que moi, voilà, je fais 1m77, 1m78 parfois, 1m80 avec des Timberland, ça dépend, d'accord? Ça dépend de comment je me tiens, les chaussures, tu connais, ok? Alors, on a ces points forts-là qui sont bien, mais il faut que tu bosses en largeur, d'accord? Faut que tu bosses en largeur, parce que le problème, c'est que tu n'es pas large. De ce que je vois, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que tu dois être fin. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de te rendre moins fin, de te rendre plus large. Donc, pour ça, c'est simple. Tu vas bosser ton dos avec des tractions en prise large. C'est simple. Ça veut dire que tu vas vraiment prendre large quand tu vas faire tes tractions, ok? Je ne sais pas si c'est en salle de sport, je ne pense pas, mais si tu fais des exercices de tirage et tout, tu bosses en largeur. Tes pectoraux, ce que je te conseille, c'est de bosser, bah, tu vois, le haut des pecs, c'est la base, on doit le bosser, parce que le haut des pecs, c'est là où tout le monde a du retard. Mais de faire beaucoup d'écarté couché, d'accord? Tu fais tes exopecs tranquillement, tu mets l'écarté couché pour essayer d'avoir une bonne posture, être large, être bien, c'est très important. Par contre, au niveau de tes pecs, ils sont très secs. D'accord? Ils sont très secs. Donc, n'hésite pas à mettre de la charge. N'hésite pas à monter. N'hésite pas à te faire mal. D'accord? Histoire de plus développer tes pecs et être mieux par rapport à ça. Parce que là, comment tes pecs ils sont, si tu ne montes pas la charge, ou si tu ne manges pas un tout petit peu plus, je ne sais pas comment tu cherches ton alimentation, bah tes pecs ils vont rester comme ça pendant très longtemps, malheureusement. D'accord? Et notre but à nous, c'est de progresser. Optionnel aussi, mais au niveau des abdos, vu ton poids et ta taille, bosse tes abdos en volume. J'ai fait des exos sur ça. Bosse tes abdos avec un poids, c'est important. Fais grossir tes abdos, c'est très important. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu vas bosser, tu vas faire tes crunchs, tu vas faire grossir tes abdos, ils seront visibles. Et si tu comptes aller à la plage ou quelque part où tu veux faire une sèche, où tu veux refaire une jet, ben là tes abdos seront vraiment apparents. Et si tu fais l'intelligent à faire une prise de masse où tu, voilà, où tu manges, tu pousses suffisamment lourd, des séries de 4 fois 10 reps, tu bosses tes abdos en volume et après tu fais une jet, et ben tu seras très très bien. Parce que non seulement tu auras des abdos, mais tu auras des muscles qui seront secs et apparents. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est important. Au niveau des épaules, des triceps et des biceps, j'ai rien à dire. Continue comme ça. Continue à les frapper. Dans tous les cas, tes petits de taille, tu les auras rapidement. D'accord ? C'est pas la priorité, mais tu les auras rapidement. Mais le plus important, c'est de bosser ce qu'on aime. Au niveau des compléments alimentaires, ce que je peux te conseiller, c'est de la whey pour compléter ton alimentation. Parce que je pense que tu as l'air de prendre du poids assez vite. Donc, je ne te conseille pas de gainer, malheureusement. Parce que sinon, si tu retournes à un poids catastrophique, ça sera compliqué pour perdre. Parce que je pense que ta diète a dû être très dure. Je te conseille aussi de prendre tout ce qui est complexe, oméga 3 et tout, c'est très très bon pour le corps, pour les muscles et tout. Des BCA pour la récupération, si tu as un rythme de sport régulier, comme ça ton muscle il récupère, il se reconstruit facilement et t'es bien, ok? T'es bien. Ouais, BCA, oméga 3 et tout, si tu veux vraiment avoir les complexes sûrs, mais ouais, BCA, la base, tu as besoin de rien d'autre pour progresser. Optionnel aussi, si tu es en salle de sport, si tu comptes aller en salle de sport, tu peux prendre de la créatine qui va t'aider grandement à avoir plus de force, d'accord, et à progresser beaucoup plus vite aussi en salle de sport. Pourquoi je te conseille ça si tu es en salle de sport et pas à la maison? Parce qu'à la maison, en général, on n'a pas beaucoup de charges, on est limité sur nos charges et notre poids. Et ça ne servait à rien. Parce que si à la maison, tu te lèves ton masque, la créatine te servira pas à grand chose. En salle de sport, tu pourras te challenger avec un poids un peu plus gros, un poids un peu plus lourd, monter la charge dans les machines où tu peux monter là avec les plaques et tout. Et là, tu es bien. D'accord? Donc, si tu es en salle, créatine, ça va t'aider. En tout cas, je te remercie
Thibaut, et je t'invite à venir me voir en message privé, comme tu sais bien le faire. On parlera de tes nouveaux objectifs et 75 kilos, mon gars, 75 kilos. Deuxième personne, on va parler de Clément qui a 16 ans, 1m75 pour 69,5 kg. Ce qui est bien, c'est qu'avant Clément, tu pesais 73,3 kg. Et en un an et 5 mois, bah, tu as fait une petite évolution. Et maintenant, tu pèses 69,5 kg. Et comme tu l'as dit dans un message, ce qui a contribué à ton évolution, bah, c'est la salle de sport. D'accord ? La salle de sport, c'est important. Je pense que quand tu es à la salle, tu as dû être content. Tu as dû faire plein de choses, plein de machines et tout. Et tu te dépenses, t'évolues. Mais aussi, tu as dit aussi que grâce à mes vidéos en période de fermeture, bah, ça t'a donné la motivation de pousser, d'atteindre ton objectif et je suis content. Et là même, tu me dis que en salle de sport, tu fais mes vidéos. Donc, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et je suis content que mes vidéos puissent t'aider, que ce soit chez toi ou en salle de sport. C'est important. Ton objectif aujourd'hui, c'est d'éliminer les kilos restants, afin d'être un peu plus sec et d'avoir les abdos visibles. Et je vais t'aider, frérot. Bon, déjà, permets-moi de te dire une chose, mon gars. La première fois que tu m'envoies tes photos, je me suis fait ce mec-là une génétique pour faire chier tout le monde. Parce que toi, t'es une bonne largeur au niveau pec. Et tes pecs, je pense qu'ils vont faire mal. Donc, je sais pas si tu bosses bien tes pecs ou si tu comptes bien les bosser. Mais là, mec, tu vas les carburer. C'est ton point fort. Tu vas les carburer. Comme je dis souvent, en tant que naturel, on n'a pas le choix, les mecs. On n'a pas le choix. On a des points forts qui peuvent devenir des points limites. On va croire que tu es chargé si tu les bosses bien. Et c'est le but. Tu vas bosser tes pecs. Tu vas fracasser tes pecs parce que là, ils sont excellents. Une largeur de pecs comme ça, quand c'est bien bossé, c'est beau. Donc, tu vois la vidéo que j'ai fait, 3 exercices pecs, où j'étais à la maison dans le garage avec le setup cool et tout. Tu vas faire ça, d'accord? Le superset que je fais au début pour bien développer ses pecs et bien les sentir dans sa séance, tu vas le faire. Tu es obligé, mec. En plus, tu es en salle de sport, tu as des poids, tu vas le faire, c'est important. Là, je vais pas parler des autres muscles. On va se concentrer sur ton projet principal qui est les abdos. Avoir les abdos visibles. Là, pour tes mensurations, pour ton poids et ta taille, c'est simple et j'ai qu'une seule chose à dire. Bosse tes abdos en volume, c'est important. C'est comme Thibaut, mec. Comme Thibaut, bosse tes abdos en volume. Prends un poids, prends un halter, prends ce que tu veux, bosse tes abdos en volume. J'ai fait une vidéo d'abdos en volume. Tu vas la suivre et tu vas évoluer comme ça. Ça va te faire du bien, mec. C'est important. Dans tous les cas, je vais refaire des vidéos d'abdos en volume. Parce que là, j'ai vu que beaucoup de personnes dans les transformations veulent les abdos, mais bon, c'est pas acheter les abdos en volume, mais fais ça. Parce que en soi, avec le poids que tu fais, tu devrais bien voir tes abdos en soi. Si tu les vois pas, c'est qu'ils sont pas assez gros, tout simplement. C'est simple, cherche pas à aller plus loin. Parce que le truc, c'est que là, si tu veux faire un petit régime et tout pour bien voir tes abdos, tes muscles ils vont disparaître. Et tu auras juste des abdos et tu ne seras pas content. Ça, je le sais, mec. Donc, bosse tes abdos en volume, il n'y a pas le choix. Au niveau des compléments alimentaires, mon gars, c'est simple. Tes abdos, on va les travailler en volume musculaire, on va les faire grossir. Donc, prends la whey, d'accord? Whey BCA. C'est les compléments de base que je conseille à tout le monde. Whey BCA. Je sais qu'on m'a déjà envoyé des messages pour les marques de compléments à conseiller. Honnêtement, MyProtein, c'est l'une des marques les moins chères. Prozis et tout, c'est des bonnes marques, d'accord? Vas-y, prends ce qu'il y a de moins cher, prends le meilleur rapport qualité-prix, prends ça, tu vas progresser, ok? Pour tes pecs, pour bien développer tes pecs et aller beaucoup plus vite, vu que tu es en salle de sport, prends de la créatine, d'accord? Prends de la créatine, là tu seras bien. Tu auras le combo, ouais, BCA, créatine, on est tranquille. Ne prends pas de brûleur de graisse, ok? Ne prends pas de brûleur de graisse, ça ne servira à rien, ok? Tes abdos, faut les bosser en volume, faut les faire grossir et on va les faire grossir comme ça. Comme je te dis, entraînement avec un poids, c'est largement suffisant. Whey qui va compléter ton alimentation,
qui va te faire du bien, qui va nourrir tes abdos, nourrir tes muscles, nourrir tes pecs. Surtout tes pecs, mec, c'est important. Créatine qui va te faire gagner plus en force afin de casser plus de fibres musculaires. Très, très bien. Et BCA pour la récupération. Et là, on est good. En tout cas, Clément, là, tu as un très beau physique. Tu t'es bien battu. Comme je t'ai dit, tu as un gros point fort qui arrive et qui va faire mal, mais vraiment mal. Là, pour tes abdos, comme je t'ai dit, hein, tu allais bosser avec un poids. Mais bon, même si tu as le V qui se forme et tout, franchement, tu es bien, mec. Tu es bien. Mais pense à prendre de la masse avant parce que si tu as juste des abdos, tu vas être triste après. Tu vas te trouver trop maigre et c'est pas ce qu'on veut, mec. C'est pas ce qu'on veut. Tu as le potentiel pour aller loin. Et on va aller loin ensemble. Mais sinon, je t'invite quand même à venir me parler en privé. Et on verra ce qu'on pourra faire pour améliorer tout ça tranquillement. Troisième personne, là, on a un bon frérot. Là, mec, là, toi, j'hésite à te mettre parce que toi, tu fais chier, mec. Tu fais chier, mec. Mathis, qui a 16 ans pour 1m85, 67 kilos. Toi, vraiment, toi c'est trop, mec. Alors Mathis, la première photo que tu m'as envoyé, tu m'as dit que tu as 14 ans et la dernière, bah tu as 16 ans, d'accord. Et tu comptes faire une prise de masse lente après l'été. Ça, c'est très intéressant parce que en soi, ta description, elle est très simple. Mais on va en parler tranquillement pour faire les choses bien. C'est important. Bon, alors Mathis, je pense que tu te sens très bien, d'accord. Je pense que musculairement parlant, on est en place, on est bien. T'es grande taille, t'es musclé et tout, franchement, c'est propre. T'as une qualité de sèche incroyable pour ton âge. C'est un truc de fou. À 16 ans, j'étais pas comme ça. Là, à 16 ans, tu as à la limite des objectifs que beaucoup de personnes rêveraient d'avoir. Et c'est très bien et je te félicite pour ça. Mais frérot, il peut avoir un problème. Il peut avoir un gros problème, c'est que tu es super grand en taille. D'accord ? Tu as des longs membres. Ça veut dire que pour sécher, tu seras bien et tu m'as l'air aussi d'avoir un métabolisme rapide. Ça veut dire que pour sécher, on est bien. D'accord ? Mais pour prendre de la masse, frérot, tu vas galérer, tu vas douiller. Et ça, c'est bien fait pour toi, mec. Bah oui, il faut pas avoir que des avantages. Il faut avoir des inconvénients aussi. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, tu vas faire une prise de masse lente à ton rythme. Et je pense qu'une prise de masse lente, c'est plus une prise de masse contrôlée, où tu vas vraiment prendre ton temps, tu vas contrôler ce que tu manges, tu vas pas manger trop n'importe quoi, et tu vas progresser en douceur. Ça, selon moi, c'est la meilleure façon d'avoir un niveau incroyable, sachant que tu as 16 ans. Si tu le fais jusqu'à tes 18 ans ou jusqu'à tes 21 ans, tu seras un monstre, mec. Tu seras un monstre. Et comme tu me l'as dit, tu faisais mes programmes biceps et triceps. Bah ouais, parce que voilà, mes programmes biceps triceps, franchement, c'est des programmes pour te fracasser et aller loin. Et en revanche, tu faisais tes propres programmes abdos et pecs. Ben, franchement, j'ai rien à te dire, mec. Quand je vois tes photos, je me dis que tes programmes, tu les as bien placés. Et tu as fait les choses bien pour progresser comme ça. Après, je sais pas si tu es en salle de sport ou si tu es à la maison, mais si tu es en salle de sport, c'est important. Essaye de mettre des charges, essaye de progresser un peu plus. Parce que toi et ton métabolisme rapide, ça sera vraiment ton ennemi, mec. Ça sera ton ennemi. Si tu prends un peu plus en masse, si tu fais une prise de masse lente dans des meilleures conditions, tu devras monter au niveau des poids, tu devras te faire mal, mec. Et pour ça, pas le choix, prendre des charges, progresser et se faire mal. Donc fais ça pour tes pecs. Honnêtement, tes abdos ils sont bien, mais si tu peux travailler avec un poids, travaille avec un poids pour les rendre encore meilleurs. Parce que c'est pas parce que tes abdos sont bien qu'il faut laisser comme ça. Faut continuer à les bosser. En plus, toi, tu as le trio, enfin, tu as abdos, obliques, tout. Donc, mec, on est bien. Continue à bosser ça afin de devenir encore meilleur. Je sais pas si tu as des veines sur les abdos, mais c'est l'objectif, toi. Toi, c'est bon, clairement. Il faut que tu aies des veines sur les abdos. Parce que là, on est arrivé à un point où on est bien. Bon, sinon, frérot, j'ai rien à te dire. Ton évolution, elle est incroyable. Ton physique, il est incroyable. Je pense que tu as toujours été sportif. Et c'est très, très bien dès le plus jeune âge.
Et ça, c'est bien, on le voit sur ton physique. On voit que tu es vraiment allé chercher ce physique. Et ça, c'est bien. Tu as une bonne génétique aussi. C'est très, très bien. Et c'est important. Il faut continuer. Tu as une bonne génétique et tu ne te reposes pas dessus. Tu fais du sport. Parce que avant ça, ben voilà, tu m'envoyais des petites photos, enfin des petites vidéos où tu faisais du sport. No day off, mon gars, c'est important. Tu as un bon physique. Tu es allé le chercher. Et tu continues à le chercher. Tu te fais mal. C'est important, mon gars. Niveau complément alimentaire, c'est simple. Comme les autres. Si tu es en salle de sport, je te conseille de prendre la créatine. Toi, c'est obligé, d'accord? Tu es en salle de sport, c'est obligé. Ta commande, c'est de la créatine. Sûr. Et pour ta prise de masse, si vraiment tu veux faire une vraie prise de masse, d'accord? Et tu veux abandonner la prise de masse lente, prends un gainer, d'accord? Prends un gainer, vas-y. T'as un métabolisme rapide, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Sinon, prends de la whey tranquille et de la BCA pour la récupération. Ok? Gainer, si tu veux faire une prise de masse ou voilà, plus de prise de masse lente, tu vas. Ou whey, d'accord? Pour nourrir tes muscles tranquillement, compléter tes repas, ça va te faire du bien. BCA obligatoire pour la récupération. Sinon, mon gars, j'ai rien à dire. Fais les choses bien. Continue à pousser. Continue à évoluer. Et n'hésite pas à venir me voir en message privé si tu as un muscle que tu veux développer un peu plus ou t'améliorer un peu plus ou aller chercher un peu plus loin dans tes performances. Mais en tout cas, tu es sur la bonne voie pour aller loin, voire pour me dépasser. Enfin, en termes de sèche, en termes de prise de masse, mon gars. On verra. Mais pour l'instant, tu es très très bien, mon gars. Continue. Dernière personne, on va parler de Raphaël qui a 17 ans, qui fait 1m74 pour 78 kg. Bon, Raphaël, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas nous mettre dans le contexte. Tu m'as fait un texte, tu m'as détaillé. Bon, moi, je vais dire dans les grandes lignes ce que tu m'as dit, d'accord? Raphaël, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il avait des problèmes de santé, d'accord? On lui faisait prescrire des médicaments jusqu'à 5 médicaments par jour. Ça, ça lui donnait du cortisol et ça le faisait grossir. Donc, c'est chiant. Quand tu es malade, on te prescrit des trucs, tu grossis, tu sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Bon, après, tu as dit que voilà, tu faisais pas de sport et tout à cause de ton état de santé. Ce que je peux comprendre, c'est compliqué. Au lycée, tu as dit que tu étais dans une période qui n'était pas très réjouissante, ce qui t'a fait perdre du poids et tu es passé de 73 kg à 72 kg. Tu mangeais plus trop le matin, le midi et tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mec, c'est chaud. Ne pas manger et tout, c'est chaud. Même toi, t'as déjà à ne pas faire. C'est chaud, faut manger, les mecs, c'est important. Les petits déj, c'est pas tout le monde qui arrive à manger, mais essayez de manger un peu, les gars. Bah, après, t'as dit que t'étais devenu skinny fat et t'as arrêté les médicaments, d'accord? Parce que peut-être que tu voulais plus prendre de médicaments, tu t'es dit, vas-y, c'est bon. Flemme de tout ça. Du coup, t'as fait une prise de masse parce que tu as commencé le sport au premier confinement. Et ça, c'est très courageux parce que le premier confinement, tout était fermé. Tout était fermé. Mais toi, tu t'es dit, Nick, je vais faire une prise de masse et je commence le sport. Et félicitations pour ça. Donc, tu as commencé le sport. Mais tu m'as dit que comme tu étais skinny fat, la prise de masse n'était pas à faire. D'accord? Ça, on va y revenir tranquillement. Et tu as dit que voilà, tu as évolué et que tu fais maintenant 78 kilos et que tu te sens mieux et que tu prends plus tes médicaments. Et ça, je peux que t'encourager et t'applaudir pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as dit que tu as commencé avec des programmes à toi ou d'autres personnes que tu as suivies, que ce soit sur YouTube ou sur Internet, et que tu te voyais pas trop évoluer. Dès que tu m'as connu, t'as pu avoir des courbatures et bien ressentir tes muscles travailler. Et pour ça, je te remercie. C'est toi qui me remercie, mais c'est moi qui te remercie, d'accord? Parce que tu es tombé sur moi et tu as pu apprécier le contenu que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc, merci à toi. Ce que tu as dit par rapport au skinny fat, c'est intéressant. Mais moi, je vais te dire mon point de vue par rapport à ça. Alors, quand tu as un skinny fat, il y en a plein qui vont te dire de ne pas faire de prise de masse. Moi, je vais te dire l'inverse.
tu as bien fait. Tout simplement que les skinny fat, ils ont un ventre et rien d'autre. D'accord ? Quand tu vas à la salle ou quand tu fais du sport, je t'en fous. Ton ventre, tu le regardes plus, tu pousses. D'accord ? Parce que ce qu'il faut faire bouger, ce qu'il faut transformer, c'est tes épaules, c'est tes biceps, c'est tes triceps, c'est tes avant-bras, c'est tes bras. Tes bras, il faut les changer. D'accord ? Et plus tu fais du sport, plus tu évolues. Et quand tu es skinny fat, tu n'as pas le choix. Fais du sport, regarde comment ton corps réagit et après, tu pourras trouver une solution. Parce que si tu fais un régime, si tu fais une sèche, si tu fais une diète, si tu fais une perte de poids classique avec du cardio et tout, eh ben, tu vas maigrir, tu vas être tout fin. Et quand tu vas vouloir faire une prise de masse ou quand tu vas vouloir reprendre du poids, bah, ce sera pareil. Tu vas retourner à zéro, malheureusement. Donc, fais une prise de masse, fais une prise de muscle comme tu l'as fait. Et après, tu regardes comment ton corps réagit. C'est important. Mais tous les skinny fat, c'est important. Ne faites pas de diète, ne faites pas de perte de poids. Je sais que c'est dur ce que je vous dis. C'est dur ce que je vous demande. Vous avez un ventre. Ne regardez pas votre ventre. Ne regardez pas votre ventre. C'est important. Musclez-vous bien. Essayez-vous de vous muscler. Essayez de voir comment votre corps réagit avec la musculation quand vous bossez les épaules, les bras, les pecs et tout. Et après, vous allez faire une diète. Ce qui est intéressant avec Raphaël, c'est que quand je vois ton évolution physique, je vois que de base, bah, tu as beaucoup de gras. C'est incroyable. Mais tu as réussi à perdre et avoir un bon physique. Même on commence à voir les obliques se tracer et c'est très, très bien. Mais Raphaël, tu sais ce que je vois? Je vois un point fort au niveau des pecs aussi, Raphaël. C'est très, très bien. Donc, les pecs, tu vas les bosser fort. Je ne sais pas si tu bosses en salle de sport ou à la maison, mais les pecs, je veux te voir les bosser fort avec épaules, biceps, triceps aussi. C'est important. De base, tu as une base un peu skinny fat où tu as des bras fins. Donc, bosse-moi tes bras. Bosse-moi tes bras, l'ensemble des bras. L'ensemble, biceps, triceps, avant-bras, épaules, c'est important. Pec, je veux que tu les martyrises. C'est simple. Tout simplement pour la raison suivante. Tu m'as dit que ton objectif, c'était de perdre un peu, enfin, c'était de perdre la masse grasse qui te reste. Le problème, c'est que si tu la perds, tu vas tout perdre, d'accord? Tu vas pas perdre juste là, tu vas perdre partout. Et comme tu es une base skinny fat, il se peut qu'en perdant, tu tapes dans le muscle et tu tapes dans les muscles du bras, beaucoup. Tu tapes dans les épaules, tu tapes dans les biceps, tu tapes dans les triceps. Donc, moi, ce que je te conseille pour éviter de tout perdre et être tout fin rapidement, je te conseille de prolonger ta prise de masse, ton prise de masse, de faire encore 4-5 mois de bonne prise de masse assez propre. D'accord ? Où tu bosses bien tes bras, lourd, biceps, triceps, épaules, tu bosses ça lourd avec des exos que je t'ai montré dans mes programmes, dans mes 3 exercices, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment pas mal. Tes pecs, tu les martyrises, ça va être ton point fort, je le vois sur tes photos, c'est incroyable. Je veux que tu les martyrises, je veux que tu les tapes et après tu fais ta diète, comme ça tu vas limiter les dégâts. Tu vas limiter ça et tu ne seras pas tout fin. Parce que le problème, c'est que là, si tu fais une diète, si tu veux te focaliser sur la perte de gras, tu vas être tout fin et tu ne seras pas content. Et comme tu as un métabolisme assez rapide et que tu te relâches, il se peut que tu redeviennes skinny fat. Il se peut que tu abandonnes tout simplement par désespoir. Et moi, je ne veux pas ça. D'accord ? Je ne veux pas ça. Fais une prise de masse, prolonge tranquillement. Et t'inquiète pas pour toi aussi, ça va très très bien se passer. Alors toi, niveau complément alimentaire, c'est simple. Déjà, je te conseille pas de gainer. Vraiment pas de gainer. Je sais qu'il y a des gainers qui sont sucrés. Des gainers qui sont pas très sucrés, touche pas à ça. Tu prends du poids facilement, touche pas à ça. Whey, ça va te suffire pour compléter ton alimentation. Et si tu manges très bien de base, ne prends même pas de whey. D'accord ? Juste des BCA. Tout dépend. Si tu as du mal à manger et tout, prendre la whey. Sinon, juste des BCA, c'est largement suffisant. Si tu es en salle de sport, prends la créatine pour avoir un gain de force. Tu seras vraiment bien par rapport à ça. Sans oublier les oméga 3 et les complexes minéraux si tu veux apporter un plus à ton corps. Ok ? Par contre, ce qui peut être intéressant pour toi,
serait de partir sur un petit brûleur de graisse. Enfin, les brûleurs de graisse. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Je sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais les fat burners, les trucs comme ça pourrait te faire du bien, ok? Parce que, bien évidemment, que ça va pas taper uniquement dans la graisse du ventre, mais toi qui es un skinny fat, ça pourrait te faire du bien de te voir un peu plus sec et d'avoir une aide supplémentaire pour bien perdre à ce niveau-là. Et là, niveau physique, ce que tu as fait, c'est juste incroyable. Et ce que tu vas faire, c'est juste te préparer pour ta diète. En fait, c'est ça, parce que là, tu pars vraiment d'une belle évolution. Et si ton objectif, c'est juste de perdre les kilos en trop, mec, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Mais moi, j'ai juste une chose à te dire et une question à te poser. Est-ce que tu kiffes ton physique niveau masse musculaire? Est-ce que tu trouves que ta masse musculaire est suffisante? Si oui, tu peux faire ta diète. Mais il faut que tu saches que quand tu vas faire ta diète, tu vas perdre en masse musculaire. Donc si tu trouves que ta masse musculaire n'est pas suffisante, continue un peu. Continue en prise de masse. Et après, tu feras ta diète tranquillement. Et aussi important, je ne sais pas si tu bosses tes abdos, mais bosse tes abdos en volume. Bosse-les en volume parce que, te connaissant, quand tu vas faire ta diète et tu vas perdre du poids, tu vas me dire, Dams, je vois pas mes abdos. Et je vais te dire, mec, bosse tes abdos en volume. Mais là, prépare le terrain maintenant, d'accord? Parce que, vu tes photos et vu qu'on voit un peu tes obliques, tu commenceras déjà à avoir tes abdos avant que tu fasses ta diète si tout se passe bien. Donc, bosse tes abdos en volume, fais-les grossir tranquillement. Et quand tu vas faire ta diète, là, tu pourras frimer sur la plage tranquillement et être bien et te sentir bien. C'est important. En tout cas, Raphaël, je t'invite à venir vers moi en message privé pour qu'on parle un peu de tout ça, pour qu'on voit un peu ce qu'on peut faire, si je peux t'aider un peu plus à atteindre ton objectif. Et si tu as des questions supplémentaires à ce que je t'ai dit, c'est important. Et je te remercie pour la force que tu m'apportes parce que on a vraiment beaucoup parlé, toi et moi. Donc voilà pour ces quatre transformations physiques. Franchement, c'est incroyable, les mecs. Merci beaucoup pour la motivation et tout que vous partagez. Moi, pour moi, ça fait un petit partage avec vous sur la chaîne. Je compte faire d'autres épisodes, bien évidemment. J'ai reçu d'autres messages. Mais bon, au début, je te cache pas. J'ai écrit, j'ai travaillé un peu la vidéo et je me suis fait, waouh. En fait, c'est simple. Attends, c'est simple. Je vais te dire ce qui s'est passé. J'ai écrit la vidéo. Je me suis endormi sur la table. Incroyable. Le fait d'écrire, ça m'a fait dormir direct. Donc je me suis dit, c'est bon. Moi, je suis fort en impro. Je prends mon téléphone, je regarde et je te parle. Tout simplement, c'est plus rapide et c'est mieux. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à donner de la force aux quatre frérots qui ont participé. Même s'il y en a d'autres, je vais faire d'autres vidéos. Bien sûr, si le concept te plaît, si t'aimes bien et tout, donne de la force, frérot, dans les commentaires. Ça me fera plaisir à moi et ça me fera plaisir à eux aussi. Et si tu veux participer, n'hésite pas à m'envoyer un message, d'accord? C'est important. Sur Instagram, on en parle. Les critères sont au début de la vidéo où je te redirai les critères en message Instagram. Et nous, on avance. En tout cas, mets un j'aime, un commentaire, ça t'a plu. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.